Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode sur The Last of Us Part 2. Je suis encore sous choc hein, puisque j'enchaîne les épisodes là. Donc let's go Seattle. On va essayer de retrouver les fils de. Voilà. Et bref, on va essayer de profiter un petit peu de changer un petit peu d'humeur là. Et d'être un peu dans un peu la joie, la vengeance. C'est bizarre. Hein. Trop d'émotions en même temps là. C'est trop compliqué ce qu'ils nous ont fait la Naughty Dog. Putain, qu'est-ce que c'est beau, bordel. Faut vraiment que je joue sur ma télé 4K là, c'est pas possible. Pire, je le referai sur ma télé 4K, mais. Oh, aïe 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 aïe. On en prend plein les mirettes. Pas stadium. Allez, c'est parti. Allez, on arrête. On va essayer de se remettre. J'ai envie d'explorer, bordel. Non, en fait, en vrai, j'ai envie de me venger. Putain, j'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser. C'est vraiment stylé, hein. Punaise. Autant d'attentes pour tout ça. Ok. Par contre, le scénar est béton, hein, mais je vous jure, faut pas qu'il se trompe derrière là. Vu ce qu'on s'est pris dans Ellie, la gueule, faut pas qu'il les se trompe. voitures. Ouais, on touche au but. Faut qu'on fasse gaffe. D'accord. Attends, là-bas, il y a quelque chose, hein. J'ai envie de fouiller. Oh, il va y avoir tellement de trucs à fouiller, les gars. Ah bah voilà. Ah, une autre carte de super-héros. Question, si tu pouvais avoir un super-pouvoir, tu voudrais lequel? Je dirais l'invisibilité. C'est révélateur. Tu t'en servirais pour m'espionner? T'as tout compris. En fait, il y a des endroits, j'ose pas y aller. C'est con, mais. Là, y a rien à faire. J'allais dire aller du rayon, mais pas du tout, c'est paillettes. T'as le chic pour trouver des bons prénoms, Elia, tes animaux. Attends. Je sais pas où aller en fait. En fait, je vous jure, je suis encore sous le choc. C'est dingue, je vous dis, ils m'ont retourné le cerveau. Là-bas, on peut pas y aller là? On peut pas passer. Ouais, bon, c'est open world, mais semi quoi. Elle me suit, Dina, ou pas? Ouais. Je sais même plus d'où je viens. Je suis ailleurs. Vraiment, dans ma tête, là, je suis ailleurs, les gars. C'est horrible. C'est horrible. On va suivre les bagnoles, hein. De toute façon, il y avait les voitures qui étaient là-bas. Il y a par là, peut-être. Non, je viens de là, moi, je crois. Oh, je sais plus. Yes, c'est plou. Bon, en fait, faut juste aller en face, quoi. Attends, vas-y, je vais reprendre le cheval. On va aller plus vite. Désolé, désolé. On va se reprendre. Faut que ça revienne, là, hein. Faut se remettre de ses émotions. Tout va bien, c'est pas vrai. Allez. C'est parti. Bon, bah, je me suis trompée. Finalement, tu sais exactement où tu vas. Waouh, comment ça déchire en fait. La nature qui a repris ses droits à mort là. Bon, en vrai, faut aller à droite, mais on va aller à gauche. Je sais pas. Je sais pas. Attends, quoique, on va aller peut-être à droite avant. Ah, j'ai envie de tout regarder là. C'est pas bien. J'ai envie de tout faire. Camping-car, on peut pas y aller. Non?
Ah, donc c'était bien de l'autre côté. Alors après, je sais qu'on peut descendre en rappel. Est-ce qu'on peut descendre ici en rappel? Ou alors je peux sauter. J'ai envie d'y aller, mais je sais que je vais crever. Ouais, je peux pas y aller. Ok. Ok. J'arrive, Dina, j'arrive. Allez. Stylé l'environnement, punaise. En fait, là, graphiquement, comme on le voit, en 2014, je le voyais déjà comme ça, vous voyez. C'était déjà très propre, ce qu'on voyait à l'époque, il y a 6 ans. Et là, c'est encore mieux, quoi. On va aller fouiller la petite maison, normal. Elle est là pour ça. Reste avec Payette. Ouais. Nickel. Encore une, eh ben. Il y en a combien en tout là? 2000! Première carte. Ok, j'ai un trophée. Normalement, il s'affiche pas pour vous. Ça s'appelle première carte. Theater. Ah, on va peut-être se voir se repérer avec ça, non? J'ai le centre-ville et puis quoi? Bon, si jamais on a la carte. T'as trouvé quelque chose? J'ai trouvé une carte touristique. Bon, c'est déjà ça. Regardez-moi le sol et tout, putain, c'est incroyable. Putain. Franchement, dire qu'il y en a. Il y en a qui disaient que le jeu était moche. Hein. Il y en a qui disaient que le jeu était moche. Ouais. Ok. Si vous voulez. En vrai, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie d'aller partout là. C'est horrible, arrêtez. Allez, on trace, on trace. Ça a l'air calme. Mais méfie-toi, elles sont sûrement bien planquées. Oui, je sais. C'est bien ce qui me fait peur. Qui ça, elle? Elle a dit elle. Par des lucioles, peut-être, non? Les bruitages et tout, hein, n'empêche. Vous avez bien taffé, les gars. Oh, j'ai envie de jouer que ça, là. Qu'il se passe rien, j'ai envie de jouer que comme ça. C'est juste pour le plaisir, quoi. Wow, c'est ça la fameuse ZQ. Ouais. Fais gaffe en haut. WLF, putain, je vous jure, on va les déboîter. Je vais leur faire mal. Je vais leur faire mal. Quelque chose de. On a que 9 balles. Ok. Ah, attendez, on a le revolver de Joël là, si jamais. Regarde, on dirait que le mur est fissuré, là-haut. Pour l'instant, on va garder ça. Où est-ce qu'il est fissuré? Tu le vois? Ouais. Maintenant, il faut trouver comment grimper là-haut. On rappelle. WLF, les intrus seront abattus. Sympa comme accueil. Enfin, au moins, on sait qu'on est au bon endroit. Où ils sont passés? S'ils ont pris la peine de mettre ça, ça veut dire qu'il doit y avoir un moyen d'entrer. Il doit sûrement avoir des conversations optionnelles. Peut-être ils ont fait le style de trophée comme ça. Pas trop. J'ai vu qu'on pouvait aller en dessous, on va aller regarder ce qu'il y a à prendre en dessous. Hein.
Il n'y a pas beaucoup de tosma. Ah, ici. Quand tu seras à la porte, cherche un soldat du nom de Kieran. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Donne-lui le kilo, il te laissera entrer. Bonne chance. Ok. Kieran. Il me semble qu'on peut aller en dessous là, non? Pas au cas où qu'il y ait quelque chose. Non. Et ça, faut pas que j'oublie. On peut ramper tout ça. Avec la chance que j'ai, je sais que j'ai réussi à oublier. Je peux pas monter là-dessus là. Par où va-t-on passer? Là-bas? Ok. Moi, je peux pas passer. Oh, on tente, ça va, ça va. Infecté niveau 1, 2, 3 et 4. Ouais, on les connaît. On les connaît. T'as trouvé quelque chose? Pas vraiment, non. Y'a que Chid et Nada. Par contre, la vie, on la perd assez vite, hein, je trouve, quand j'y repense. Quand on se fait taper et tout. Je voudrais bien. Le mode hard, difficile, ce que tu veux, je voudrais bien voir ce que ça donne. Putain. Ah, je suis obligé d'aller fouiller, putain. Ce sont des cages? Des cellules. Il y en avait aussi à Boston. Ellie, tu penses quoi de ça? Mais quoi? T'es où? Attends, bah j'arrive du coup, je suis descendu. C'est dur hein, de s'en remettre, hein, putain. Alors là, hein? Ah, je croyais que je pouvais monter comme ça. C'est bon les gars, c'est bon, ça. Laissez-moi galérer. Dina, aide-moi à grimper. D'accord. Seattle jour. J'ouvre l'œil, t'inquiète. Essaie de voir si tu peux ouvrir le portail de l'autre côté. Bonne idée. Rien là-dessus là, pas d'objet. Ok, on continue. Équilibre. Oh, il y a l'équilibre à. Ok, excellent, excellent, Jean-Patrick. Petite séquence de plateforme là. Ouais, à part sauter, faut que je saute là-bas là. Je suis pas franc. Attention, je me recule. Let's go! Je vais bien. J'ai juste failli crever. Et je peux pas. Comment dire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? À part ça, je peux rien faire. Waouh! Stylé de ouf, hein. Allez, on va ouvrir ce portail là. Ils sont où
Relève-toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, salut la brique. C'est ma meilleure amie. Ah. Vous êtes team brique ou team bouteille? Oh, en vrai, team brique, moi, parce que j'aime bien quand ça claque. Bah. Profil, Isaac va récupérer toutes les dernières reconnaissance parking. La base, c'est Revenna. Ok, intéressant. Ça, faut retenir ça. Si j'ai déjà oublié. Ouais. Attends, faut que j'ouvre à 19, faut pas que j'oublie. C'est bien beau de fouiller, mais faut l'aider quand même. Oh, voilà le générateur. Là c'est mort, je peux pas si. Ok. El generator. Ah mais il est pas connecté le truc. Si? Ah d'accord. Ça en vrai, vous voyez le truc. Comment dire, du générateur et tout avec le. Faire triangle, triangle, triangle. Ça en vrai, je m'en serais passé. En vrai, c'est Ok. pas un truc foufou, quoi. Quoi, il en faut un deuxième? Il y en a un deuxième, sûrement. Non. Je peux pas ouvrir le portail, de toute façon. Non. Ok. Attends, c'est quoi ça? Ouais, faut que je regarde bien, ouais, je sais. J'arrive, ma grande. Tout va bien? C'était quoi ce bruit? J'ai pu ouvrir ce portail. Faut que je trouve un moyen d'ouvrir celui-là. Allez. On croit en toi. Merci. La 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 la. Forcément. Je peux craft quoi? Un molotov? Vas-y, on part sur du molotov. Petit molotov. En vrai, là, j'ai vu aussi que je peux, ouais, je peux améliorer des trucs. Donc, c'est quoi? Mode écoute, vitesse de déplacement, augmente votre vitesse de déplacement, mode écoute. Maintenez un pour repérer les ennemis proches à travers les murs. Plus 50% la vitesse de déplacement. Augmente la vitesse d'usage de kit médicaux, non. Augmente la santé maximum. Ça, ce sera intéressant plus tard. Au lieu de vous tuer, les attaques mortelles vous laissent une santé minimum, vous permettant de prendre la fuite. Non, augmente nettement votre vitesse. Et là, c'est quoi? Mais, ah, ouais, il faut les manuels. Ok. Bah, je sais pas si j'utilise en vrai. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je garde, je verrai après. Je verrai après. Je vais après. Du coup, ça c'est dead. Comment ça se passe? Ça se passe quoi. En vrai, tu m'aurais suivi, Dina, on serait pas là, quoi. Je me ferais pas chier à chercher à ouvrir le portail. Y a pas de jus. Et je peux pas le prendre et le ramener jusque-là? Non? Ok, faut passer par au-dessus. Est-ce qu'il y a moyen? Ta la 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 la, tra la la l'air. Je sais pas si je peux, non, c'est mort. T'as beaucoup d'exploration en fait, hein, mine de rien. T'as beaucoup d'exploration.
Par où je passe, les gars, là? Par où je passe? Non, en vrai, je pense que je vais prendre l'autre générateur et le rebrancher là. S'il y a assez long. Ouais, voilà. Non. Normalement, je peux le jeter. Et ça dégage! Ah merde! J'étais en train de le reprendre. Allez! Donc là, normalement, je peux appuyer dessus, non? Ah non, c'est pas là, c'est à l'intérieur. Ah ouais, le cerveau, les gars, le cerveau. Entrée principale, mot de passe. Ah punaise, faut que je lise le journal. C'est quoi? Code des postes de contrôle. Alors. 0512. Ok. Là, ils ont une utilité maintenant, les notes. Premier coup, ouais. Bien joué. Merde. Oula. Ça va meuter tout le monde, ça. Allez, viens. On s'en va. On a assez traîné dans le coin. Et la porte, je peux toujours pas l'ouvrir, là. Avec le jus. Non, ok. Faut que j'arrive à passer au-dessus. Comment je peux passer au-dessus, en vrai? Ça va me tracasser, ça, si j'y arrive pas. Ah, là-bas, il y a une porte, là. On peut pas non plus. Non, ça c'est condamné. Ah, ça m'énerve, je sais pas. Bon, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, on refera le jeu, on a le temps de refaire tout ça, on a le temps. Et maintenant, j'ai trouvé un papier là-bas. Il y a des codes dessus. C'est marqué qu'il y a une planque du WLF dans une base qui s'appelle Cerevena. Cerevena. Alors, on va la chercher? Avec un peu de chance, on croisera notre premier WLF. Et on le fera parler. C'est un début. On y va. Ah mais du coup, je peux peut-être passer de l'autre côté maintenant, là. Là-bas. Non? Comme ça, je passe au-dessus, tranquille. Non, ça marche pas. Y'a pas une échelle, y'a rien. Ouh. Allez, allez, on continue. Merde, regarde. Hôtel Cerevena. Ça doit être là. Fuck Fedra. Ok. Faut trouver le moyen de franchir le... Portail, fuck, Fedra. Très original. Au moins, c'est clair. Faut qu'on s'approche pour voir ça de plus près. Donc là, il y a un machin, là. Un générateur, ouais. Là, il doit bien avoir quelque chose là-dedans, non? Ben oui. Un petit papier. Qu'est-ce que c'est? Juin 20,5, synchrophysique expulsé. Serge Arnoir, dans un assaut répété de blé sur nos lignes, ravitaillement affecté. Jusqu'à nouvel ordre. Abruti. Vous avez monté tout le monde contre vous. Là, en vrai, je peux encore passer là. Ouais, je vais activer le générateur, on verra déjà ce que ça donne. Ok. C'est parti. Ah, je m'en doutais, il y allait pas aller. Si t'as le passage à gauche. Ah, plus d'essence. Putain de merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, merde. La note. Quoi?
D'après la note, il y aurait de l'essence au parking du tribunal et au dôme. D'accord. Le parking du tribunal et le dôme. Bon, comment on fait pour y aller? On explore un peu les environs, on verra bien. Tu crois que Tommy est venu ici? J'en suis sûre. Waouh, ça c'est le dôme. Waouh, punaise. Ah oui. Bon, où est-ce qu'on est? Ok, on maintient pour tenir la teucar. Je crois qu'on est ici. Ah, cool. Je vais ajouter des notes. Ok. Donc nous on est là, d'accord. Il faut qu'on aille au dôme. Et je sais plus où. J'écoute pas. Ouais. Ok. Il s'est passé quoi ici? Je crois que les militaires ont bombardé la zone. Mais pourquoi? Pour nettoyer les zones de la ville envahies par les infectés. Ou les rebelles. C'est un peu excessif comme mesure. D'habitude, c'est efficace. Contre les infectés ou contre les rebelles? Les deux. Merde. Crois-moi, t'as eu de la chance de pas grandir en zone de quarantaine. Ouais, je vois ça. Je me demande ce qui serait arrivé si j'étais restée. Je serais probablement devenue un de ces foutus soldats. Ah, impossible. Je te vois pas obéir aux ordres de quelqu'un. Ouais, c'est pas faux. Honnêtement, je pensais que la zone de quarantaine de Seattle serait moins déserte. Ouais, peut-être qu'ils sont tous planqués dans la base Rivena. Il y en a combien de WLF d'après toi? Ben, au moins 8. Si on a de la chance, si on n'a pas plus. Ça va aller. Faut rester sur nos gardes. Et faisons le plein. Oh mais c'est horrible de mettre tout ça dans The Last of Us. T'as envie de fouiller, c'est pas. Le gars qui se plaint, tu sais. Putain, c'est super. C'est super propre. Mais ouais, non, faut pas faire ça, les gars. Moi, je vais avoir envie d'aller partout. Là, j'ai envie d'aller là, y a rien. Mais j'ai envie d'y aller quand même. Ah ouais. T'as entendu? Qu'est-ce qui est Wanted là? C'est qui ça? Désinfecté. On dirait qu'ils sont dans le bâtiment. Oh, ça s'annonce mal, non? Bah, au moins, on sait à quoi s'attendre. Attends, on va ajouter ça à la carte. En fait, comme ça, t'as plein de trucs à faire. Hein. Ok, on est là. On était parti. Ok. Je sais pas si je vais aller là direct. Je vais aller voir là-bas. Ok. Y'a rien. J'ai une brique si jamais. Allez, on y va. On a un claqueur, un rôdeur, un coureur, ce que tu veux, ce que tu veux. Tu me gênes. Lui, on va le fumer déjà. Quoique y a... Ah,
Y'en a un, y'en a là. Avec deux de ses potes. Bon, lui, il a pas l'air de bouger, on va pouvoir se faire le claqueur avant. Oh, t'as l'animation du claqueur, elle est incroyable. Incroyable. T'as pas du matos dans ton sac, toi? C'est jamais. Ah, ça aurait été cool de pouvoir fouiller le sac, admettons là. Allez. T'as le visage de Ellie quand elle fait ça là. C'est bon. Je crois bien. Bravo. Allons trouver de l'essence maintenant. Ouais. Je viens d'où? Moi, je viens de là. Peut-être faire partie d'un jury. Ça devait être marrant. On s'asseyait, on examinait l'épreuve. On essayait de savoir si quelqu'un mentait. Pour ça, il me suffit de 5 minutes d'un couteau. Et je sais direct si quelqu'un ment ou pas. Oh, wow, ok. J'adore ce jeu. Sauf à certains événements. Certains événements, pardon, c'est plus français. Donc là on est venu, il nous faut l'essence. Hey, tu m'aides? J'arrive. Yes. Et bah ça va en faire des épisodes les gars, si ça... Il y a des petits trucs comme ça à faire. On va en avoir des choses à faire. T'as déjà mis les pieds dans un tribunal? Non. Tu veux dire que t'as jamais eu d'ennui à Boston? Bien sûr que si. T'as la lumière là? Mais j'ai jamais atterri au tribunal. Ouais, c'est stylé, ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, ouais. Une bombasse. Grenade incapacitante pour étourdir plusieurs ennemis, puis achever avec des attaques éclairs. Ouais, donc ça, c'est le. C'est une sorte de flash, quoi. Grenade flash. Parking. On y trouvera de l'essence. Si on en croit la note, ouais. Bon, alors on y va. Ouais, on va y aller, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, je pense que c'est fermé. Toi t'es mort, enculé. Oh. Ça peut être utile. Qu'est-ce que c'est? Un des cartes de ce type était un commandant de la Fedra, on dirait. Ils se sont fait surprendre par le WLF et essayer de s'enfuir. Ils sont combien pour être capables de vaincre l'armée? Pas besoin d'être nombreux quand on est aussi violent. Il faut qu'on reste sur nos gardes. Tous ouais, les objets confisqués aux suspects doivent être entreposés dans le coffre du bureau, code 860722. Dans le coffre du bureau. 860722. Et je vais l'oublier. C'est quoi? Un vieux pense-bête. Tous les objets confisqués, ouais, bah c'est bon, j'ai la note au moins. 860722. Dans le bureau, il est où le bureau?
ce que j'allais dire, ça fait un moment que j'en ai pas trouvé. Je peux rien craft là, si. J'ai pas assez, c'est pas grave. Ah bah il est là. 86 07 22. J'espère qu'ils ont pas mis des codes trop chiants, t'imagines. 07 et 22. Voilà. Kling, trophée, non? Ah, c'est les manuels d'entraînement, ça, non? Peut-être. Ah non, je croyais. Manuel nécessaire, ouais, ça, c'est après. Là, est-ce que je peux craft. On va refaire un molotov ou pas? On va refaire un molotov, vas-y. Super important, les molotovs, Manuel d'entraînement, bah voilà, vous donne accès à de nouvelles branches d'amélioration. C'est quoi? Ah, silencieuse, ok. On peut faire une arme silencieuse, du coup, là. Ah, ok. Ah, d'accord, c'est un arbre de compétences. Confection d'amélioration d'armes de corps à corps. Améliore votre arme de corps à corps en restaurant sa durabilité et en augmentant sa puissance. Lien lame plus arme, ok. Ok. Ah ouais, t'as, on peut le booster à mort le perso, quoi. Donc en gros, je vais faire ça, tu vois. Parce que là, j'ai rien utilisé avant. Ah, je peux encore faire un truc. Yes, trophée obtenu, apprenti. Vous le voyez pas normalement. Moi, je le vois. Réduit de moitié le temps de confection des objets. Pff, non, je pense que ce sera pas trop gênant ça. Du coup, est-ce qu'on augmente ça tout de suite? Ah, allez, vas-y, on va le faire. Au moins, on a amélioré deux trucs. Voilà. C'est bien que c'est bien. Bon, on commence à avoir du stuff, c'est cool. Attends, où est-ce que je dois aller? Au sous-sol. Non, je viens de là déjà. Là-bas, il n'y a rien, j'ai pas été voir. Non. Ok, il y a un truc là. Eh ben, il y en a des notes. Hein. Je te porterai un. C'était mérité, je suppose. On va dire ça. De toute façon, qu'est-ce qui est mérité, bordel, dans ce jeu, hein? Rien! Rien, les événements, ils. Non! Putain, j'ai encore l'image de Joël, quoi, c'est. C'est choquant. C'est franchement, c'était choquant. La manière, c'était choquant, je trouve. On y va? Ah, ok. Bah, je sais pas, Ellie, t'y vas pas? Ah, ok. Attention. On connaît l'ascenseur qui tombe. Faites pas ça. En fait, le fait d'avoir refait The Last of Us Part 1 pour le platine, l'avoir refait comme je sais pas quoi, le connaître par cœur et voir ce qui se passe là, c'est. C'est ouf, hein. C'est ouf. Ah, y'a le claqueur, y'a le claqueur, y'a le claqueur. Merde, putain. Elle marque les ennemis. D'accord, très bien. Wow, la puissance.
C'est la première fois que j'utilise le fusil, j'ai pas encore utilisé depuis le début du jeu. Hein. Oh la puissance! Bordel! J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Ces types de la Fedra n'ont même pas pu sortir du parking. Bordel! La puissance du fusil, quoi! J'ai plus qu'à trouver l'essence. J'ai utilisé le fusil au bout du quatrième épisode, faut le faire. Ça flotte, un hein, claquard! Ça flotte. Faut que j'apprenne à utiliser l'esquive. C'est galère, je trouve. On va devoir siphonner les camions ou je sais pas quoi là. Ah, tu te rappelles de ça, mon ami? Dans le DLC. Voilà l'essence. Oh, c'est pas vrai. C'est vide. T'es sérieuse? Le réservoir est géant? Non, y'a plus rien. Bon, reste toujours le dôme. J'aime pas si le sac est plus gros qu'à l'émission, non? On dirait pas. Comment on fait pour sortir d'ici? Les claqueurs sont toujours aussi violents, n'empêche. Putain, faut toujours autant flipper, c'est con. Je peux pas siphonner une bagnole? Non? On peut pas? Dans la logique. Ah, ça je prends. Comment dans la logique j'aurais siphonné une bagnole? Quand j'y repense, qu'est-ce que j'aime pas tous ces souterrains, tout ça. Ok, non, ça on s'en fout. Bon bah écoute, je sais pas s'il faut que je me barre. Je peux pas me barrer de toute façon, si. Ah, si. Ah, on reconnaît ça. De caméra et tout. Stylé. Okay, on lâche. Bien joué, Dina. Merci. Bon, tu peux rayer le tribunal de la liste. Allons chercher ce dôme. Il vaudrait mieux trouver plus de matériel avant de continuer. C'est écrit quoi, nos quoi? Ah. Ah, nos gaz. J'ai lu nos casses. On va fouiller quand même un petit peu, hein, écoute. Attends, là on est où? Je sais pas si je vais. Je vais aller vers quoi? Spring Madison? On va aller vers Madison, hein, je crois que c'est une station essence. Donc oui, on va aller par là. Un peu de calme. Ça fait bizarre de pas entendre de bruit de camion dans les ZQ. Ou des coups de feu, des explosions. Ma sœur évitait toujours les zones de quarantaine. C'est sûrement à cause de ça. Elle devenait de plus en plus parano. Elle se réveillait parfois en pleine nuit en hurlant. Ça doit être dur. On était toujours prêtes à repartir, toujours sur le qui-vive. On n'est jamais resté au même endroit plus de quelques semaines. C'était l'horreur. Kenina. Ok. C'est bien d'avoir un vrai chez soi, non? Ouais. Quand je suis arrivée pour la première fois à Jackson, j'étais impressionnée par tous ces gens. J'étais impressionnée par toute la nourriture. J'ai passé toute ma première semaine à me gaver. Je me remplissais les poches de nourriture pour être sûre de pas en manquer. Oula, les pattes du cheval là. Oula, on va se mettre comme ça, on va rien voir. C'est pas vrai. Si, je te jure, je me suis même demandé qui était cette asperge qui nous volait toute notre viande. J'ai pas volé tant de viande que ça. Madison, c'est où du coup? Putain, je suis perdu.
Sur ma droite. Ellie, je crois que Payette est malade. Quoi? Comment tu le sais? Elle a une fièvre de cheval. Oh, non. Allez, elle était bonne celle-là. Attends, on va aller voir au poste là. Yes. Moi je veux des objets, moi. C'est tellement stylé comme c'est vaste et tout. Enfin, c'est trop bien en fait. C'est trop bien ce qu'ils ont fait. Un jour comme un autre au paradis. Pas mal le dessin. Qui a pu faire ça? Alors, on est clairement sur du Nathan Barrick. Ah, ça, je le lirai plus tard, mais ah, le regard de Joël, c'était pas cool, quoi. C'est marqué l'endroit. C'est quoi ça? Ah. Oh. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Ouais. On s'en souvient de ça, nous. On s'en souvient. Qu'est-ce que tu caches? T'as le nombre de notes qu'ils ont mis dedans, c'est un truc de fou. Hey, qu'est-ce que c'est? A priori, il y aurait du matos dans une banque. On pourrait aller y jeter un œil? Allez-y, j'ai pas les couilles d'y aller tout seul. La banque de Westlake. Ok, bah ça doit être écrit sur la carte, du coup. Oh, y a un peu de matasse là. On dirait qu'il n'y a rien d'autre par ici. Ah, qu'il y a quand même pas mal de choses. Mince. La banque de Westlake, elle est où? Westlake, c'est où est-ce que ça peut être ça? Là en bas, tout en bas là? Peut-être. Peut-être. Alors, ah, je peux pas l'améliorer, mince. Putain, en vrai, j'ai envie de booster le revolver de Joël. Remplacer le ressort, je sais pas, augmenter la cadence de tir. Vas-y. On va d'abord augmenter ça, mon pote. Ah. Ouais, il est sympa ce petit jeu. Moi, ouais, pour un jeu indé, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, t'es ouf. Bon bah écoute, on va continuer. Du coup, je sais pas si je vais pas à la banque pour avoir du matos. J'hésite. T'es où, Payette? Est-ce que je peux encore craft? Oui, mais on va pas regarder tout de suite. Nous, on est où? Donc, faut que j'aille tout en bas. Ah, attends. On va prendre Payette avec nous quand même. Il doit y avoir tellement de choses à fouiller là dans cette ville. On va aller là-bas tout en bas. Hé, hey, ça ressemble bien à un dôme ce truc au sommet du bâtiment là. Ah ça ouais non t'as mais raison. on va pas y aller tout de suite. C'est bon, c'est sur la carte. Ah mais moi je vais aller là-bas. Moi je vais aller là-bas. Wow, vise un peu le char. On peut pas passer en fait là. C'est...
Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un a campé ici. Ça a l'air récent. Tu crois que c'était Tommy? Peut-être. On saura jamais. Ah. Donc là, ce serait sur ma gauche, ouais, ce serait là. Je peux pas y aller encore, si? Ça serait ouf si on puisse... Putain, on aurait pu grimper, là. Ça aurait été ouf. Regarde l'enseigne. Je crois qu'on a trouvé la banque. Yes. Tu veux y jeter un coup d'œil? Comme tu veux. Yes, il y a du matos normalement. Donc on y va. J'aime le risque, mais c'est pas un peu trop dangereux ça? Détends-toi. C'est sûrement comme ça depuis longtemps. Ça va pas s'écrouler maintenant. Enfin, je crois. Non, on se tire pas, qu'est-ce que tu racontais? Ah ouais, d'accord. Tu veux laisser un claqueur ça? Casse les couilles. Ah mais c'est devant moi. C'était mis devant moi ce con. Casse-toi. Casse-toi. On y va. Non. Star. Chier. Et c'est à cause du coureur là, putain, il casse les couilles. Ah donc en vrai si tu veux, tu peux fuir quoi, tu vois. C'est l'autre coureur de merde là qui nous a saoulé, qui a tout cassé là. Lui là. Ou elle, je sais pas, on s'en fout. Putain, si j'avais un silencieux, je l'aurais démonté. Il faut juste que j'arrive à choper celui-là. Après ça va tout seul hein. En vrai. Bon on retente si jamais. Fermez-la tous, fermez-la, vous avez rien entendu. Il n'y a pas qui était là de coureur. Hein. Il faut pas que tu me vois toi. Crève. T'es pas chier. T'as Dina, tu pourrais m'aider un petit peu là. En vrai, elle pourrait m'aider là. Normalement, quand ils sont comme ça, ils te voient pas. Hein.
Tais-toi, voilà. Oh, y a pas une bombe ou quoi là, j'avais Ok. dit non. C'est quoi ça là? On les a tous eus. Sérieux. Bon, on a trouvé la banque. C'est quoi ces gilets pare-balles? On dirait pas des soldats. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Bon, je pense qu'on va finir la banque, puis après on arrêtera l'épisode là. Parce qu'en vrai, ça va faire super long. Je sais pas depuis combien de temps j'ai fait. Combien de temps j'ai commencé. Ah, ça, c'est pourquoi faire des crafts des bombes, non? J'ai pas fait attention à ce que j'ai ramassé. Alors, le Je crois que ces coffre. types en gilet pare-balles ont essayé de braquer la banque. 60-23-06. C'est comme dans ce film. Lequel? Celui avec les cambrioleurs qui faisaient du surf. Oh oui, j'adore ce film. Attends, baisser. Attends, c'est quoi ces conneries là? Déposer un câble à la porte 1, à la gare à l'arrière. Porte principale, porte de derrière, coffre. Ok, non, ça va rien dire. C'est juste les mecs, c'est leurs initiales, ok. Ah bah il est là le coffre. Allez, c'est parti. Merde, je sais plus combien c'est. C'est. Oh, je sais plus. Attends. C'est pour toi. 60 23 06. Ok, ça va, ça va. 60 23 06. Ok. 23 et 06. Et voilà. J'espère qu'il y a vraiment du matos, hein. Des armes ou j'en sais rien. Moi je veux quelque chose, je veux du lourd. Bon, déjà c'est. Oh! Ah, je demande des armes, j'en ai, ok. Merci. Fusil à pompe. Mon ami Bill. Attends, c'est moi, je viens d'entendre un. Comme un grognement de colosse. T'es déjà halluciné? T'as vu tous ces billets? Le sac en est rempli. La vache. Si on vivait dans l'ancien monde, ouf, on serait riche. Qu'est-ce Cool. que c'est? Ah, Sic Parvis Magna. Vous savez ce que c'est ça? C'est la devise dans Uncharted. Très bien. Excellent. Un petit clin d'œil. J'étais un peu censé être là, c'est que ça m'a Ah, j'ai débloqué un trophée, tiens. Petite mais grande. C'est sûrement la bague. Et après ça, mes premiers ont fermé là-dedans. Les flics vont pas tarder si je plonge vers mes potes. Ok, ouais, bon. Ils ont essayé de cambrioler la banque le jour de l'épidémie. Ils pensaient sûrement que c'était une bonne idée. Je vais le garder le pompe. En vrai. On va garder le pompe en vrai. Mais vraiment, j'ai cru entendre un grognement de colosse. Donc peut-être j'hallucine. Hein. J'avais pas vu. Moi j'avance tranquille comme ça. N'importe quoi. Et viens la petite conne. Je peux pas lui éclater la gueule dans le mur là. À la Joël là, bam. Pourquoi je suis pas fou, j'avais bien entendu Je crois qu'on a fait le un tour. grognement. Je suis d'accord. Ouais, je pense qu'on peut se casser. J'ai pas envie de tomber sur un colosse.
Hop, ça c'est noté. Let's go baby. Au Hey, pire, je pense c'est qu'on une va aller idée d'un jusqu'au ancien dôme et on môle. s'arrêtera. T'achèterais quoi avec tout cet argent? J'en sais rien. Peut-être une grande ferme? Bah, tu peux déjà en acheter une, non? Ouais. Et toi, t'achèterais quoi? Une navette spatiale. Ouais, c'est vrai. Ton délire d'astronaute. Eh, hey, c'est beaucoup plus cool qu'une ferme. Une ferme, c'est beaucoup plus pratique. Allez, des on va trucs aller au ici. dôme. Oh, on a trouvé un fusil à pompe. Alors, ça valait le coup. Super, direction le dôme maintenant. Bon, je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à fouiller. Mais là, en vrai, j'ai envie d'avancer un petit peu. Là, on a trouvé une arme, c'est pas mal. Il y aurait peut-être un manuel d'entraînement que je passe à côté, ou j'en sais rien, je sais pas. Centre de distribution de rations. À Boston, la queue faisait plusieurs pâtés de maison. Et la bouffe était dégueu. Ça m'aurait rendu dingue. Certains pétaient les plombs. On peut pas rentrer là de toute façon. Ok. Let's go. On fait le dôme et après on s'arrête là. Ça va être un épisode plutôt long. Distribution de carburant. Allez, c'est parti. Mais au moins, on peut dire ce que sera la fait. Fédra a bien barricadé cet endroit. Il y avait toujours des pénuries de nourriture à Boston. La faim rend les gens fous. On fouille, on fouille. Tralalala. Putain, non mais ils ont abusé par contre sur les notes, il y en a beaucoup trop. Des coffres, des notes et des héros. Ok. Sergent Ward. Tral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 
Pourquoi il est pas mort avec ça? Ah ouais, j'ai bien. Alors, fais-moi le malin. Je crois qu'on les a tous eus. Je pige pas un truc. S'il y avait encore des gens dans le coin, ils auraient nettoyé la zone. Peut-être qu'ils sont pas arrivés jusqu'ici. Peut-être. Allez, faut trouver de l'essence. Oui, il y avait un autre moyen de... J'aurais pu me mettre ici, jeter une brique là-bas, ils se barrent tous là-bas et je trace avec Dina et on passe là. Mais bon, faut aussi qu'on utilise notre stuff, quoi. Par contre, vous avez vu qu'Ellie, elle a esquivé une balle de... C'est-à-dire de Riley, pas du tout. De Dina, il me semble. Attends, on est chez Bill, là, ou quoi? Putain, c'est trop stylé, les endroits où on va, quoi. C'est une synagogue. Comment tu le sais? Bah, d'une, il y a des menorahs sur le mur, le chandelier des Hébreux. Et deuxièmement, j'ai pas encore pris feu. Comment ça a pris feu? C'est une blague débile. Ça t'arrive d'en faire des bonnes? Ferme-la. Écoute, on va ramasser un peu de stuff. Ça me rappelle des souvenirs. Ma sœur arrêtait pas de me traîner à la synagogue. J'imaginais pas que t'étais croyante. Non. Mais j'aime être issue d'une longue lignée de survivants. Tu parles de l'épidémie? Ouais. Et de l'Inquisition. Et de l'Holocauste. Ma famille a toujours survécu. Ou presque. Ok, Dina. On apprend plus sur ton histoire. Le verrou est de l'autre côté. J'ai trouvé de l'essence. Il n'y a plus qu'à y accéder. Ok. Easy, easy. Non, 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 attends, on va déjà ouvrir là. Je peux pas. Ah non, je crois. Ok. On reprend l'essence et puis on se casse. Bon, ce sera un épisode hyper long, désolé. Mais il en faut aussi, il en faut aussi. Merde, c'est génial. Hey, sois poli, c'est un lieu de recueillement. Il y a de l'essence ici. Oh putain, c'est génial. D'accord. En fait, normalement, elle devrait dire ok, c'est pour ça que ça fait un peu bizarre quand elle dit d'accord. Elle devrait juste dire ok, pas d'accord. En français, la traduction, ça fait un peu chelou. Ça t'arrive encore de prier? Ouais, parfois. Vraiment? Quand ça? J'ai prié quand on a quitté Jason. J'ai prié sur la tombe de Joël. Parfois, je me dis des petites prières, juste pour moi. Ça t'aide? Je crois que ça m'apaise. Ça m'aide à prendre un peu de recul. C'est une façon de gérer mes émotions. De faire preuve de respect. J'ai pris l'habitude. Ok. Ok. Attends, par où on peut aller là? Est-ce que je peux pas repartir par là-bas? Je pense pas. On va voir si on peut passer là. Non. Là non. Là non. Là oui. Oh, ça, ça pue le scream là. Il y en a qui vont me sauter dessus. Non. Dina, tu viens? J'aime pas être tout seul ici. Ok. À part prendre ça pour repartir, ouais, je vois pas trop. Et je vois pas trop, quoi. Ah, ici, ok.
Ok. Bienvenue chez Naughty Dog. On déplace des objets, on grimpe, on grimpe. Par là. Vas-y, je te suis. C'est quoi ça? Oh, ça c'est la Torah. La quoi? Disons que dans le judaïsme, c'est un peu l'équivalent de la Bible. Ah. Ma sœur aurait trop aimé voir ça. Celle qu'on avait au Nouveau-Mexique était à moitié brûlée. Allez. Ah, on va cool. Peut-être pas le récupérer, ça va être un peu encombrant, je pense. Au moins, ils ont pas tout balancé. Si on commence à prendre la Bible, la Torah, le Coran, on prend tout. Les sacs qui vont être chargés, j'ai envie de te dire. Hey, qu'est-ce que tu fais? Je parie que je peux atteindre l'autre balcon avec ça. Ok. Ellie, fais gaffe. Attends. Ça tient. Mais non. Je me suis trompé. Hop là. Et hop là. Et hop là. Excellent. Et hop là. Pas de problème. Allez, Dina. Ok. Et... GG. GG. Et là, il y a quoi là? On peut pas ouvrir? Si. 5774. On a fait un bond dans le futur? Mais non, c'est un calendrier hébraïque. Pour le nouvel an. Ma sœur m'offrait toujours une pomme enrobée de miel. Oh, super, maintenant j'en ai envie. Après, je lis pas tout, hein, les gars. J'espère que vous êtes sains et saufs. Par contre, elle parle beaucoup de sa sister, Dina. Elle parle beaucoup, quoi. Est-ce qu'on va réussir à repartir tranquille? Bon, le portail maintenant. Je sais pas quand on croisera à nouveau Abby et ses amis. Il vaudrait mieux trouver plus de matériel avant de continuer. Pas faux. C'est-à-dire plus de matos, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Hein, t'as peur? Ouais, donc il faudrait peut-être continuer à fouiller alors. Bon bah écoutez, nous je pense qu'on va s'arrêter ici. On a déjà fait un bon petit bonhomme de chemin, j'ai envie de vous dire. En avant, donc, paillette. On va s'arrêter ici, tranquillement. Hey, et puis, on reprendra. Juste un peu. Tranquillouche. Pareil. Avoir un toit au-dessus de la tête, ça me manque. Tu sais, j'ai toujours rêvé de retaper une ferme à l'extérieur de Jackson. Tu veux pas rester en ville? Je sais pas. J'aime l'idée de vivre dans de grands espaces. On écoute. Comme une ermite. Seulement si on le fait seul. Ok. Alors, on va élever des moutons ou des vaches, c'est ça? Tu te moques de moi, c'est ça? Non. Franchement, cette idée me plaît beaucoup. Vraiment? Oui. Vraiment. Bon, bah là, on va élever des vaches. Bon, bref, sur ce, nous, on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc là, on est plus dans l'exploration. Donc, c'est assez long. Mais il faut passer par là si on veut avoir du stuff. Et comme l'a dit Dina, peut-être, on va peut-être encore fouiller. Donc, je sais pas si je fouille le reste en live. Peut-être, je sais pas. Pour... histoire de... Bon, si on le fera en live. Histoire de... d'avoir du stuff et d'être prêt pour défoncer ces bouffons. Et voilà. Bref, moi je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine pour la suite du let's play. Et puis à bientôt tout simplement. Allez, ciao. Peace.